C'est nous, c'est la fête chaude. Mais maintenant, il peut les couper. Il peut comment? Il a un homme. Ici, on m'a sorti, tu craques, tout. Amen. Amen. Voilà, je suis trop content d'être parmi vous. Amen. Le diable ne va pas vous manger. Amen. Vos enfants deviendront les meilleurs. Alléluia. Ils deviendront les meilleurs. Alléluia. Ils vont aller à l'école, ils vont réussir à l'école. Alléluia. Le temps des enfants s'est passé. Vous mangez là, c'est passé. Maintenant, c'est le développement. On n'a plus mangé de manger d'arbre. Celui qui va vouloir manger, il va à Mauritanie. Amen. Il faut penser au développement. Comment les enfants doivent réussir demain? Comment il faut s'occuper de Dieu? Il faut les encourager à aller à l'école. C'est ça notre bataille maintenant. Comment nos mamans auront des activités? Comment les gens pouvant répondre à quelque chose? Comment ça recouvre pas donner quelque chose? C'est le combat qu'ils auront maintenant. Celui qui veut manger, n'attend pas. Mais tout le monde est chouillé en poison. Mais comment les gens ne sont pas ici à venir faire son marché? Si tu as envie de manger, c'est janvier. On n'a pas qu'on ne pêche pas. Mais tu ne peux pas manger quelqu'un. N'allez pas, janvier, voilà, comment il y a. Voilà, donc nous allons traiter la nouvelle ici. Je suis venu, je vois une réunion avec le comité d'organisation. Léo, comment vous comment vous voyez un caillou de nourrit? Voilà, il y a la soeur Diamant qui vous a remis l'épargne aux femmes. Vous voyez le stock de... C'est vraiment... On y a un peu de... Vous savez, c'est Dieu qui l'aime. La vraiment Dieu comme vous. Si tu es honnête. Et ça coûte très peu. Dieu qui l'aime. La vraiment Dieu. Vous jamais en vouloir donc. Non, il y a un peu de... Ton élévation ne viendra jamais de quelqu'un. Dans le cœur du regard. La vraiment Dieu. Dieu béni. Dieu béni. Dans le cœur. Si tu es honnête, Dieu te lève. Les gens pensent que c'est quand à Paris, il y a des gens qui sont dans la galère. Il y a des gens qui dorment même dans le couloir. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Ici, il n'est plus dans l'air, en Europe, ça n'est pas plus difficile. C'est Dieu qui lève. Il a comment dit ton. Si Dieu voit ton sérieux, il te bénira. La première le met au poignet. Dieu ne s'en fiche. La première le si tu es sérieux avec lui, et non, quand même, il te bénit. Au poignet. Pour ça qu'il faut être honnête. Nous, là, il y a beaucoup plus d'années. Si ça manque, si ça te manque. Et d'un coup, Dieu ne va jamais te bénir. La première fois, tu marches avec quelqu'un, tu crois en lui. Et non, quand même, non, non, non. C'est ça le problème. Yeah, oui, non. Or, Dieu regarde le cœur. La première fois, il est là au cœur. Oui. Oh, la Bible dit que c'est par l'abandon du cœur qui ne bouge pas. Mais alors, on peut cœur. Oh, si tu n'as pas un bon cœur, tu n'as pas d'intérêt à ces questions. Dieu connaît mes pensées. Oh, il est pour vous. C'est ça qui me bénit. Nous, on ne peut pas. Je suis étonné, j'arrive en Europe, je suis plus que le plus à la Bible. Et maintenant, vous prenez le plus libéral, le plus président. Plus libéral et plus que le prix de la République. On vient dormir devant mon ma porte. Voyez, il est devant mon porte. Malgré ça, Amen. Amen. Le message, soyez honnête. Amen. Bon père, c'est le secret de la réussite. Il y a une amie, on est prêt, l'honnêteté. Vous êtes honnête. Vous êtes sincère. Vous êtes véridique.
et qu'à vous, Dieu vous bénisse.